On va reparler gastronomie car après les réveillons, il vous reste forcément une petite place pour une autre spécialité du moment. Sa pâte feuilletée et sa frangipane vont ravir les gourmands. Il s'agit bien sûr de la galette ici dans cette boulangerie artisanale de Tourcoing. Le chef espère vendre jusqu'à 1500 galettes ce dimanche à l'occasion de l'épiphanie. Et petite particularité qui fait toute la différence, les fèves représentent d'anciennes photos de Tourcoing, une manière pour ce pâtissier de rendre hommage à sa ville. On a nos distributeurs qui nous donnent des catalogues de fèves, qui nous font voir les fèves existantes. Mais bon, le problème, c'est que c'est des fèves nationales. Donc tout le monde peut les faire. Donc après, je pense que le fait de faire vraiment des fèves personnalisées fait la différence, quoi. On cache quand même jalousement les réussites, on va dire, parce que c'est vrai que bon, on veut pas trop que tout ce qui nous arrive arrive aux autres, donc on essaye de non pas trop ébouter quand même tout ça.